Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2.12 de 18, l'épisode où on va prendre l'avion. Ouais. En réalité, j'ai jamais pris de l'avion de ma vie. Oh, il pleut. Eh ben, il pleut que dans le jeu, hein, parce qu'ici, il fait chaud. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Ben, c'est simple, on va prendre l'avion, comme je viens de le dire. On va arriver à Arpentière, on va explorer un peu la ville d'Arpentière. Ça va, à mon avis, prendre un truc du genre, même pas 5 minutes, parce que c'est tout petit, Arpentière. Si on ne connaît pas les avions par cœur, on ne peut pas les réparer. Les combats de Pokémon, c'est pareil. Plus on en sait sur les Pokémon, plus on gagne. Bah ouais. Et comme je disais, il fait chaud. Et quand il fait chaud, il faut boire beaucoup. Et comme je suis parti pour une heure de vidéo et que je pense que je ne vais pas tenir sans boire pendant cette heure, puisque je vais parler continuellement, j'ai un verre d'eau à côté de moi. Donc si vous m'entendez faire des bruits bizarres, c'est juste que je bois, je vous rassure. Jolie douceur, les chocs au cœur, pour ceux cherchant l'âme sœur. Si vous obtenez d'excellents résultats au test de compatibilité, par pile, morceau et amas, vous en recevrez. Vous fondrez de bonheur. Si vous rameniez plein de chocs au cœur, je vous donnerai un beau cadeau en échange. Ouais, d'accord, mais tu sais, quand tu fais un test de compatibilité, t'es pas obligé de le faire avec ton âme sœur ou quoi que ce soit. Je veux dire, je l'ai fait avec mon frère, hein. Il y en a 87 de compatibilité. Bienvenue à Parsemie, la ville du ciel, même si tu vas te casser d'ici dans quelques instants. Et pour souvenir de votre visite, voici un bec pointu. Augmente la capacité, la puissance d'attaque type vol. En faisant tenir le bec pointu à un Pokémon, ses capacités de type vol deviennent plus puissantes. Et vous savez ce qui est le paradoxe qui est marrant, c'est que si je donne un bec pointu à Switch, sa seule capacité de type vol, acrobatie, devient moins puissante. Voilà. Donc, je ne lui donnerai malheureusement pas ça. Un Chachidou. Bonjour Chachidou. Dis-moi, tu n'aurais pas la médaille écuille du ciel par hasard? C'est la médaille qui attise la convoitise de tous les pilotes. Je me disais que tu ne perdrais rien à te demander si on l'avait. Je me disais que je ne perdrais rien à te demander si tu l'avais. Ouh, je suis en forme, moi. On ne sait jamais. En même temps, il est 15h. Hein. Grâce à la capacité vol, tu peux te rendre en un clin d'œil devant n'importe quel centre Pokémon déjà visité. C'est vrai! Hello! Désolé pour l'attente, les enfants. Carolina, je compte sur tes talents pour nous. Ah, talent, pour nous faire voir du pays. Vous voyez, ce mot revient partout. Ce mot veut me hanter, il me déteste. J'ai cru comprendre que le professeur avait trouvé du matériel de recherche. Alors est-ce que tu veux monter dans mon avion, toi aussi? Bien sûr. Parfait, avec moi aux commandes, tu vas te sentir pousser les ailes. Allez Carolina, direction Arpentière. Attends, moi aussi je veux monter. J'aimerais explorer le mont Renover. Bianca, ici, mais ma petite, tu as l'air si déterminée, c'est rare. Je vous avais dit qu'elle se foutait de la gueule de Bianca. C'est le sport national, lui, il se fout de la gueule de Bianca. Bah, si c'est pour la science, et plus on est de fou, plus on rit. Cap sur Arpentière, alors. Ah, c'est bon, tout le monde est enfin prêt. Accrochez vos ceintures. Ce vol est sponsorisé par la Malaysian Airlines. C'était la blague... C'était la blague morbide du jour. Non mais franchement, ils n'ont pas de chance, hein, ceux qui prennent les avions de la Malaysian Airlines et la Malaysian Airlines en elle-même aussi. Ah oui, on va parcourir le merveilleux mont Renover aussi. Bon, c'est le moment de t'expliquer pourquoi nous faisons ce voyage. J'ai reçu un message de Cheren. Il semblerait qu'une organisation connue sous le nom de Team Plasma trame à nouveau la conquête du Nice à l'aide d'un Pokémon légendaire. Mais accrochez-vous à vos chaussures de sport. Bianca aurait-elle des chaussures de sport aussi? Il y a deux dragons légendaires à Unis, Zekrom et Reshiram. Or, il y a 2 ans, ils ont chacun reconnu leur champion, qu'ils ont décidé d'accompagner, nul ne sait où. Et c'est là que ça ne fait plus aucun sens. La Team Plasma n'a plus de dragons légendaires en liberté pour ses plans. Bien sûr qu'elle n'a plus de dragons légendaires en liberté, puisqu'ils l'ont capturé, Kyurem. Donc il est plus en liberté. Bah oui, ils veulent faire quoi alors? Je comprends pas. Une fois encore, Bianca, tu es la voix de la sagesse, mais pas la sagesse. En fait, les mystères de Zekrom et de son jumeau blanc sont loin d'être résolus. Je pensais que Watson, le champion de Janusia, pourrait nous renseigner puisqu'il est spécialiste du type dragon. Voici donc la raison pour laquelle je t'ai fait venir. Je voudrais que tu ailles voir Watson pour récolter les informations dont j'ai besoin et faire avancer mes recherches. Simple comme « Hello ! Bienvenue dans les bombes des Pokémon, je suis le professeur de... » Bon, ouais. N'est-ce pas? Oui, je savais que je pouvais compter sur toi. Ben oui, surtout parce que si je disais non, tu allais me répéter la même chose et je suis cloué au sol par une force mystique. J'espère que la Team Plasma ne sera pas de la partie. Ma quoi, on a le droit de rêver. Watson a toujours des tas d'histoires passionnantes sur les Pokémon Dragon. Et c'est toujours pratique pour remplir le Pokédex. Eh bien moi, je vais sur ce volcan, le Mont Renover. J'ai des recherches à faire sur un Pokémon de type feu super rare, il s'appelle Eatron. Ah oui.
Moi, je prononce ça Eatron, c'est très moche. C'est absolument pas la prononciation qu'il faut faire, mais je le prononce comme ça depuis qu'il est apparu et je l'ai jamais prononcé autrement. Donc, j'arrive pas à prononcer ça Itran, donc pour moi, ce sera Eatron. Mais on s'en fiche parce qu'on le verra pas dans cette run. Donc, oui, parce que j'ai oublié de préciser. Je sais pas si je l'ai précisé dans la vidéo de présentation d'Aitin ou si j'ai même dit le contraire parce que je pensais pas trop à ce que je faisais à ce moment-là. Mais toutes les runs d'Aitin s'arrêtent au round 1 en fait. Ainsi que les runs du Solaraton aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y en a 18, hein, donc il faut quand même. J'ai quand même envie de pas passer 2 ans sur le truc, même si ça va sûrement durer 2 ans. Genre, ce serait pas la Cétérie en chargée ça ? Ah non, c'est une pierre feu. Genre, pourquoi la Cétérie en chargée ? J'en sais rien, mais j'avais ça en tête. Mais une pierre feu, c'est bien, sauf que non, en fait, parce que. Oh, chouette, Julien. Enfin, Justin. Enfin, peu importe. Allô, j'aimerais parler à Sharon, s'il vous plaît. J'étais en train d'écouter du rock. La musique, c'est vraiment génial, ça donne la pêche. Et vous, Sharon, quel genre de musique aimez-vous ? Oh, on ne peut pas être tranquille 5 minutes, je dois filer. Au revoir. Non, mais je veux dire, c'est un très mauvais plan de rail, hein. Je te le dis direct, je suis absolument pas un expert dans ce domaine, mais même moi je le suis. Edressor, suis mon conseil, utilise la capacité reflet magique. Le tour où tu l'utilises, elle renvoie à l'adversaire toutes les baisses de stats ou les altérations de statut que tes capacités pourraient causer. Mais attention, il y a certaines capacités que même reflet magique ne peut pas retourner contre l'ennemi. Ouais, ce qui est bien, mais bon, si c'est l'attaque signature de Spoink, j'ai pas envie d'utiliser un Spoink. Je suis le maître des capacités et un amateur invétéré de Tesson Bleu. Je te propose un deal, Tesson Bleu contre capacité, sympa non? Tu me donnes ce que je veux et j'enseigne une capacité à un de tes Pokémon en échange. Tu veux que j'enseigne une capacité à un de tes Pokémon? Pourquoi pas? Bien, choisis donc une capacité. Bon, le truc c'est que j'ai deux Tesson, donc je peux me payer que... Dernier recours et mur de fer, et j'ai pas envie de le mettre. Par contre, un truc qui est bien, c'est Dracochoc. Oui, je sais, mais je voulais voir qui peut la prendre. Oh. Je voulais voir si Pharamp pouvait la prendre. Parce que. C'est jamais, peut-être que. Mais il y a Pharamp et Dragon parce qu'il peut avoir Dracochoc, hein, j'en sais rien. Si Dipada pouvait apprendre Dracochoc, ça nous aiderait contre Watson. Même si. Je pense que je sais qu'est-ce que je vais utiliser contre Watson. Mais peu importe. Toi, t'as une tête à voyager. Tu te souviens de la raison pour laquelle tu as commencé ce voyage? Oui, parce que je dois faire 18 runs et que j'ai dit que je ferais une 18 runs. Voilà. Je suis né ici et je mourrai ici aussi. Arpentière est une ville rurale, mais comme je ne connais rien d'autre, ça va, forcément. Oh, si tu m'adresses la parole, c'est que tu es un dresseur qui a du cran. Ça me plaît, tu mérites une CT pour la paix. Ah, ben voilà, c'était rayon chargé. J'étais pas fou, elle est bien à Arpentière. L'attaque spéciale des Pokémon qui utilisent rayon chargé augmente parfois 70% de chance, donc c'est assez énorme. Donc avec la chance, ces capacités peuvent rendre ton Pokémon très très fort. Et oui, j'adore cette attaque personnellement. Le seul bon point ici, c'est le paysage, on ne trouve rien d'autre. Mais ce qui manque, Carolina le apporte. C'est vrai, j'aurais dû faire une voix de vieille dame, mais c'est pas grave. Watson, je parlerai de Watson un peu plus tard, quand on y arrivera. Mais... Bon, alors, rayon chargé, je suppose que tout le monde peut l'apprendre. C'est le cas. Mais j'ai pas envie de l'apprendre à tout le monde. Parce que Boulelec, parce que Boulelec, parce que Boulelec, parce que Boulelec, parce que Boulelec. Basiquement, c'est ça. Mais à y repenser, je n'ai strictement rien à faire de suc digestif. Bon, donc je vais mettre rayon chargé parce que ça peut totalement défoncer. Hein. Je veux dire, vous faites deux fois rayon chargé, vous faites un petit peu de dégâts, mais vous avez votre attaque spéciale qui a plus 2. Et puis, comme Aitika a la meilleure combinaison de type de la team, il me semble, insecte électrique plante, ben. Ça risque d'être bien. Et surtout, elle a pas de faiblesse sol. Ça, c'est important aussi. Enfin, vous allez me dire switch non plus. Eh ben, let's go. Nous sommes au Mont Renanvert, mais en l'extérieur, c'est ça? Oui, Mont Renanvert. Renanvert, il faut dire. Comme Renan Luce, mais avec vert à la place. J'aime pas ce type. Enfin, j'aime pas ces chansons. Mais je suis pas là pour dire que j'aime pas des trucs. Je suis là pour faire une run. Et oui, bien sûr, c'est chercher super. Enfin, je peux dire que j'aime pas des trucs, bien sûr. Mais... Je veux dire, c'est pas vraiment là. J'ai mis un pouce, j'aurais préféré ne pas me faire interrompre. Merci, Hermure, niveau 38 sauvage, je suis totalement underlevel, c'est n'importe quoi. Et pourtant, j'ai fait tous les dresseurs du jeu. Ah, mais j'ai oublié de mettre l'œuf chance. Peut-être ça. Est-ce que quelqu'un a l'œuf chance? Reste. Et on le coque charbon. Non, personne n'a l'œuf chance alors que qu'on me l'a donné, c'est n'importe quoi. Je vais faire bouler l'ec. Parce que je vois pas vraiment ce que c'est Hermure pour le faire.
picot, j'ai peur. Ça picote. La blague, la très marranterie. Au revoir, Hermir. Ok, bon. J'aimerais bien mettre l'œuf chance à Switch, mais ça veut dire qu'il va totalement perdre en puissance. Et d'ailleurs... je vais faire ça. Voilà. Comme ça, on va s'y retrouver un peu. Oui, bien sûr, si je cherche le O après le P, on va pas y aller. Je connais mon alphabet. Bref. Vas-y, Switch, je crois en toi. Même avec acrobatie avec 55 de puissance. Et un autre truc qui est bien, c'est... Tadam, balle ombre. En fait, on peut la voir seulement à partir du moment en envers de l'intérieur. Vous voyez la grotte qu'il y a ici? Eh ben, si vous êtes ici, la perspective fait qu'on voit qu'il y a balle ombre là. Mais... moi, je savais qu'elle était là. Vous pouvez la prendre directement, bien sûr. Et nous sommes au manoir de l'étrange. Les trucs bougent. La première fois, il m'a fallu, je pense, 1h30 pour arriver au bout de ce manoir et avoir la lunelle. Alors, ça sert à rien d'avoir la lunelle, mais j'ai envie de faire la truc quand même. Rune sort, ça augmente la puissance des capacités. Tiens, d'ailleurs, qui peut apprendre Balombre? Par curiosité, puisque je n'ai pas de limite à qui je peux l'apprendre. Hein. Ce n'est pas une cité unique. Personne. Ça, problème réglé. Alors, cet objet, je peux pas l'avoir avant. C'est une pierre nuit, il me semble. Et hop. Alors oui, donc cette petite quête est tout à fait optionnelle. Elle ne sert qu'à attraper la lunelle pour avoir Cresselia après. Non, le contraire. Avoir la lunelle pour attraper Cresselia plus tard dans le jeu, après la ligue. Mais moi je le ferai pas parce que tout s'arrête au round 1. Je vais l'expliquer après avoir lu le texte de ce type. Ça alors, quel plaisir de rencontrer quelqu'un ici. Mon dernier combat Pokémon remonte à Delustre. Vous détruisez, m'affrontez, pourquoi pas. J'aimerais bien que... Enfin, ça évite... Oui et non, je veux dire, je suis pas pressé, mais j'ai pas non plus envie que ça prenne trop longtemps. Et je pense que on ne rate pas trop de trucs en faisant le round 2. En faisant juste le round 1 en fait. Ici dans Noir 2 Blanc 2, c'est peut-être les versions où on rate le plus de choses en faisant que le round 1. Oh, chiant, Cryptero. Pourquoi toujours des Cryptero? J'ai l'impression qu'il n'y a que ça à Inis, les Cryptero. Ça marche maintenant. En plus, je pense que cette attaque fait des dégâts de type psy en plus. Ce qui veut dire que... Et il n'y a que des Pokémon de type psy qui peuvent l'avoir. Et ils ont d'autres types aussi. Mais ça veut dire que si un Pokémon de type psy fait ça, il va faire toujours des dégâts pas très efficaces contre des Pokémon de type psy. Enfin, je veux dire, elle sert à rien cette attaque. Oui. Les Pokémon sauvages, c'est bien, mais c'est plus sympa d'affronter un dresseur. Oui. C'est pas faux. Est-ce que j'ai des trucs genre du LMME? Oui, j'en ai encore 21, ça devrait aller. Plus Switch, il a pas de bon PV, donc... il faut aller vers le haut, non. Par là, alors. Ah oui, voilà, il faut aller par là, parce qu'il y a le fantôme qui apparaît. C'est le fantôme qu'il y a sur le pont de l'inconnu dans Noir et Blanc. Ce rêve obscur encore et toujours, ce rêve obscur partout et toujours. Papa, maman, Abra, où êtes-vous? Si vous avez 10 ans, là, vous êtes... votre enfance est pourrie à vie, hein, je vous rassure. Bon, peut-être pas pourrie à vie, mais... vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait penser... Et encore, là, elle parle, je veux dire... Je pense ça fait moins peur. Enfin, c'est peut-être parce que j'étais plus âgé quand j'y ai joué, mais quand j'ai joué, j'ai pas eu... Ça m'a pas fait spécialement peur, Noir 2, Blanc 2. Enfin, je veux dire, ce truc, oui, c'est pas une ambiance super chouette. Mais j'ai pas eu non plus peur du truc, peur du fantôme, etc. Quand j'ai joué pour la première fois à Diamant et Perle et que j'ai été dans le vieux château, qu'il y avait les fantômes de la petite fille et du vieux qui apparaissent, qui traversent le mur et puis qui passent, et qu'on voit en plus que c'est des fantômes, c'est même pas. Ils marchent, mais en fait ils glissent.
Un peu comme le roi dans Link Faces of Evil. Et sauf que, enfin, parce que c'est des fantômes donc ils flottent, mais ça fait peur. Moi j'ai eu la trouille, j'aime pas aller au vieux château juste pour ça, j'ai pas envie de les croiser moi quand je vais au vieux château. Je supporte pas de les voir, j'ai toujours peur d'eux. Dans mes vilains rêves, j'ai entendu la voix de papa. La lune, elle était là. Elle bouge pas déjà et elle parle, donc ça la rend plus humaine entre guillemets. Et voilà la lunette qui ne sert à rien. Cette lunette arrive trop tard. Mais je ne suis plus triste. S'il te plaît, rends cette aile au Pokémon. Sur ce pont où j'ai tellement attendu. Voilà, donc c'est bien le pont d'inconnu. Si vous allez sur le pont d'inconnu, au plein milieu, ils vont vous dire la lunette brille, vous l'avez utilisée. Et puis voilà. Vous avez Cresselia, niveau 68 qui apparaît. Et. Oui, je vais. Double, combat double. Bon, des gros drifts, c'est bien parce que je peux les mettre quand même. D'ailleurs, j'ai vu une théorie qui était sympa. Vous savez que si vous avez joué à Diamant Perle Platine, vous avez peut-être remarqué que des fois, qu'après avoir battu l'arène de Vestigion, le champion d'arène, donc Flo, peut être. On la retrouve près du vieux château en fait. Près de l'entrée du vieux château, là où vous devez utiliser les arbres de coupe. Et elle vous dit oh oui, elle regarde le vieux château, etc. Et puis elle vous dit que elle a pas peur des fantômes en tremblant, hein. Qu'elle a pas peur des fantômes, mais qu'elle a un job de champion d'arène et elle s'en va. Donc visiblement, elle a super peur des fantômes. Et dans un sens, enfin, je veux dire, et si c'était. Ça avait à voir avec justement ce manoir de l'étrange-ci. Voilà. Parce que, voilà, j'avais vu quelque chose qui disait que. Que si ça se trouve. Il y avait eu un accident avec le manoir là, dans le manoir, ou avec une famille qui avait été qui est morte, donc le père, la mère et la fille, hein, le fantôme qu'on voit là, et qui disait que Flo c'était peut-être par exemple la sœur de la petite fille qui était qui avait ce même âge, qui avait cet âge là. Oh, arrête de me poursuiter, ça. Je sais que ce verbe n'existe pas, je vous rassure. Et qui, bah justement, elle reste bah, traumatisée parce que elle a vécu avec ça et donc elle a peur du, elle a peur du vieux château parce que ça lui rappelle ça. Bon, c'est intéressant. Je pense pas que les Game Freak qui se sont dit ouais, on va mettre un manoir de l'étrange, on va mettre un truc comme dans Sinnoh pour faire rappeler Sinnoh et on va l'avoir mis Flo là-dedans. Ou que pendant Diamant et Perle, ils se sont dit, on va mettre ça comme ça. Tu sais quoi, dans 5 ans, on va créer d'autres versions, on va remettre un manoir. Mais c'est chouette comme théorie, je veux dire, c'est intéressant. C'est pas trop tiré par les cheveux. Bon, un peu quand même, mais pas trop. J'aime bien comme je suis à 4 cm d'un centre Pokémon, mais que j'utilise quand même un MME. C'est n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu, hein. Et un déflaisant. Alors, je vais faire boule élec, mais je pense qu'il va faire. Enfin, elle va faire détection. Oh mon dieu! Là là, comment j'ai deviné? Tous les PNJ qui ont un Pokémon avec détection ou abri, ils le font toujours, toujours. Des fois, ils le spamment même, ils spamment même détection ou abri. Provoque, mais oui, t'en fais pas. Je ne comptais pas faire ni reflet ni mur lumière. Au revoir Déflaisant. Et oui, je suis, j'ai monté le niveau. D'ailleurs, j'aurais dû lui enlever le l'œuf chance, mais. Encore. Ah, ça peut être sympa. Ouais, non. Quoique. Ouais, reflet, c'est un peu joué sur le axe quand même. On va essayer de la jouer un peu sans axe quand même. Même si j'ai dû l'utiliser qu'une fois.
Même en passant la vitesse supérieure, je n'ai pu te rattraper. Et oui, c'est ainsi. Voilà, j'ai oublié. Bon, et Switch, je te prends ton objet parce que c'est nul. Mais... voilà. Alors, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce qu'on ratait au round 2 dans ce jeu-ci. Ben, on rate le combat contre Cynthia, le rematch contre Nikolai, Morimoto, Nishino. On rate N. Et encore, il faut revenir avec les saisons, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'on rate certains dresseurs importants du post-game, mais je veux dire, la ligue, en fait, ce qui est bien avec Noir 2, Blanc 2 et Noir et Blanc aussi d'ailleurs, c'est que la ligue, elle change en fait. Elle change pas mal entre le premier et le deuxième round. Et il y avait un objet là, je vais aller le prendre. Un total soin. Donc par exemple, la ligue au round 1, là, que tous les membres du conseil 4 n'ont que 4 Pokémon. C'est bien sûr que des Pokémon du Dex régional du Nice, de Noir de Blanc 2. Et oh, hey Sharon, tu sais quoi? Eh ben, ce volcan, c'est le Mont Renanvert. Et je fais des recherches dessus. Dingue, non? Mais avec tous ces Pokémon sauvages tellement costauds, je me suis bien embêté. Dis, tu vas m'aider, s'il te plaît? J'ai juste des Pokémon niveau 65, hein, tu l'as vu à la fin de Noir et Blanc, mais on va faire comme si. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Je m'occuperai de soigner tes Pokémon en avant. Ok, d'accord. Je m'avance comme ça et je saurai lire dans ton esprit et prévoir tes coups. D'accord, si tu veux. Bon, demain, je sais pas si j'ai changé. Oh, un combat rotatif, là, genre... Bon, bah écoutez... je pense que ça va être rapide. Salut, acrobatie. Au revoir. Salut. Acrobatie. Au revoir. Coup critique. Mais je pense pas que. Je sais pas si le. Si ça avait pas fait un coup critique, je sais pas si ça leur a mis KO ce coup. Ouais, j'ai Omag monté niveau 37. C'est merveilleux. Bonjour, acrobatie. Au revoir. Oh, un coup critique encore. Ben. Tes coups sont imprévisibles. Très imprévisibles là. Alors, ça fait bizarre de voir le Mont Renanvert comme ça parce que il change un peu dans Noir 2 et Blanc 2. Je pense pas qu'il. Je sais pas s'il. S'il change en tant que forme. Je veux dire, s'il a le. S'il est configuré de la même façon. Et il me semble pas. Je n'arrive pas bien à me prendre mes repères là-dedans. Et je pense qu'il est différent dans Noir 2 et Blanc 2. Donc, je veux dire. Les mêmes choses, il y a les mêmes choses au même endroit, je suppose qu'il y a les mêmes dresseurs, etc. Mais il est les murs et tout ça sont pas les mêmes. Et Nosferalto, c'est bien. Et aussi dans Noir 2 et Blanc 2, ben c'est pas de l'eau en fait. Qui a ici on voit un peu comme s'il y avait des lacs, autre truc. C'est de la lave qu'il y a dans Noir 2 et Blanc 2. En Noir 2 et Blanc 2, le volcan est toujours activé. Enfin, le monde renévers, c'est censé être un volcan, je sais pas quoi, mais il est toujours activé. Tandis que dans Noir 2, il est. Dans Blanc 2, il est activé. Dans Noir 2, il est éteint. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de l'eau à la place. Et puis, ça reflète aussi les couleurs des jeux, hein, puisque Noir 2 et Blanc 2 ont chacun une sorte de couleur. Couleur secondaire. C'est d'ailleurs, bah Noir 2 c'est le bleu et Blanc 2 c'est le rouge. Et d'ailleurs, beaucoup pensaient, parce que si vous regardez les logos de Noir 2 et Blanc 2, il y a comme une sorte de gemme au bout du nom avec en bleu pour Noir 2 et en rouge pour Blanc 2. Alors les gens disaient, ouais, c'est un rubis à saphir, ON confirm, tout ça. Et bah en fait, non. Je vais te dire ce que je sais au sujet de la pierre. Non, en fait, tu vois, je m'en fiche complètement.
En fait, je vais retirer tous les objets parce que ça va devenir énervant de... De toujours devoir changer, etc. Que la force de la montagne soit avec moi. Que la force soit avec toi. Bon, Bianca, elle sert pas beaucoup parce que je fais que des combats du solo, en fait. C'est pas grave. Ouvrifier, non, pas des ouvrifiers. Tu dois avoir des trucs du genre, des racailloux, c'est bien. Pourquoi il y a Geomag devant? J'ai mis Denki devant. Ah, j'ai changé, j'ai pas mis Denki devant. C'est très la nullité. Voilà. Dynamo point et il réussit, forcément. Pourquoi pas? Ah ouais, 65, 150, merci la confusion aussi. Bah écoute, va faire Dynamo point sur Switch, on en reparle. Attrition, ouais, si tu veux. Alors, attrition a comme effet secondaire de toujours de ne jamais prendre en compte les changements de défense de la cible. Donc, vous pouvez faire mur de fer autant de fois que vous voulez. Attrition fera toujours comme si vous n'étiez pas à plus 6. Mais inversement, hein, si vous avez votre défense baissée, bah, on s'en fout complètement. Enfin, il me semble. Je ne sais pas si j'ai un doute là quand même. Mais c'est une attaque, mais elle a une faible puissance, je pense, donc c'est pas très intéressant. Piège de roc. D'accord. Et c'est pas grave. Tu es le dernier Pokémon de montagnard. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Montagnard Onek. Onek, bien sûr. Un nom que nous entendons chaque jour dans notre vie commune. Ça veut rien dire. Hein. La musique est très bizarre. Enfin, je sais pas trop dire pourquoi. Hop, vous voyez, d'ici on voyait là, c'était ballon. Là, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, joli. Une corde sortie. Voilà. Oui, c'est pas grave si je dépense quelque part. Une boule fumée, ça peut être intéressant. D'accord. Tesson rouge, ok. Ok, c'est bon. Pokémon Ranger, battons-nous sur ce volcan. C'est bien un volcan, il s'appelle le monde en envers, mais c'est bien un volcan. Parce que de toute façon, Eatron ne tiendrait pas si c'était pas un volcan. Même s'il a été créé au moins brut, il vient que dans les volcans. Ok, Branette, arrête de fouiller mon œuf, chance. Bon, bah écoutez, Boulelec. Kuba, oh, c'est pas bien, parce que Branette est une bonne attaque. Il me semble que c'est 130. La base stade d'attaque de Branette, donc c'est assez énorme. Je vais faire charge. Comme ça, s'il fait coup bas, cela échoue. Ah 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 ah. Puis Boulelec. Tu peux faire coup bas, je m'en fiche. Ah ah, statique. Ouais, Boulelec, pleine puissance. Yeah. Enfin, pleine puissance, je sais pas si le Branette était plus rapide que moi à la base, mais. Au revoir. Parfait. Niveau 37. Ok. Un aquaquac. Et c'est parfait. Je vais juste soigner Dibada parce que bien, les effets de la météo se dissipent. Oui, si tu veux. Un petit lemeveux. Détrempage. Mais mon stab! Espèce de d'aigle tour connaît. J'espère que tu vas te prendre statique dans la tronche, tiens. Ça va. Non, dommage.
chargeur et Poulelec. Grincement, d'accord. Mais disons que si je mets pas Chaos et Takakok, ça pourrait être un peu... Ça pourrait être dangereux, mais sinon... Ok, d'accord, je ne mets absolument pas KO en fait. Vas-y, petit coup de bouche. Je crois en toi, Dipada. Je crois en le HKO majestueux. Oui, je crois en statique. J'ai rien dit. Vas-y, Boulelec. Et là, ça va faire plus de puissance. Ça devrait le mettre KO sans problème. Ouais. Et... Comment gagner 2 niveaux en un combat? Bah, utiliser un 9 chances. Tu es un dresseur très fort. Oui, je sais. Et tiens, c'est pour toi. Et mon Pokémon est soigné directement. Et une Bekika, c'est bien. En anglais, volcan se dit volcano. C'est la même racine. Bah oui. Ça vient sûrement du latin ou du grec. De toute façon, tout vient du latin ou du grec. Non, la plupart des choses. Hein, la plupart des mots viennent de là. Pas tous, bien sûr. Mais... Ouais, non, en fait, je voulais voir mes Pokémon. Ah, l'infirmier qui sert à rien tant que Bianca est là. Vas-y, Maitika, je crois en toi. Surtout s'il y a un infirmier, parce qu'il a souvent, ils ont souvent des Pokémon de type psy. Donc... Ah, Sharon, ici, c'est ici, il faut chercher maintenant. Non. Les gens qui sont pleins de vitalité ont l'air tellement en forme. C'est quoi cette phrase? Les gens qui ont plein de vitalité ont l'air tellement en forme. Oui, bah oui, forcément, s'ils ont plein de vitalité. Tiens, rayon chargé dans ta face. Oh bah ça va. C'est pas si mauvais que ça. Amnésie. Oh là là. Tu as gagné beaucoup de défense spéciale. C'est con parce que... J'ai justement eu un boost d'attaque spéciale. Et je vais justement faire une attaque plus puissante que celle que j'ai eue juste avant. Je suis justement plus rapide que toi. Au revoir, merci. Coup critique, oui, ok, là c'était obligatoire. Okay. Vous débordez de vitalité, mais d'où vient toute cette énergie? Bah de Bianca, elle vient de soigner mes Pokémon. Ça sert à rien, mais bon, c'est pas grave. En route vers de nouvelles aventures. Alors, normalement, il y a Yertran qui vient ici quand vous avez la pierre magma, mais vous n'avez pas la pierre magma. Parce qu'elle est sur la route 18. C'est bizarre comme endroit, tu trouves pas? Et si c'était le cœur du mont Renavers, là où vit Yertran? Yatran, bah, c'est un Pokémon dont le corps renferme une sorte de magma. C'est dingue, non? Oui, il est du type feu acide d'ailleurs. C'est un type unique et d'ailleurs, c'est le seul Pokémon à posséder une double résistance au type feu. Puisque le type feu, poison et poison acide n'existent pas. Pas encore, bien sûr. Qui sait? Peut-être qu'on aura, je sais pas, Mega Arbok avec une armure en béton armé qui sera poison acide. Je sais pas, j'invente. Une zombie refouguée Mega Junko Plan Dragon, alors pourquoi pas? Plan Dragon. Comment faire baisser un Pokémon encore plus dans mon estime, lui donner le type que j'aime le moins durant de tout le truc. Comment faire pour enfoncer un Pokémon dans mon estime, donner au Pokémon que je déteste le plus le type que je déteste le plus. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand 3 Pokémon attaquent de concert un combat trio chiant? Je suis presque sûr d'avoir la bonne réponse. Hein. Genre la compagnonne, elle s'appelle Chang. Enfin, vous allez me dire, dans Rouge Chevreuil, il y a un gamin, il s'appelle Chon. C-H-O-N, Chon. Gamin Chon. Tiens, Boulelec sur Lubrifier, Acrobatie sur Riolu, et Miroitir sur Riolu. Non. Bonsoir. Ah, résistant, hein, Lubrifier. Poule niveau 38. Miroitir. Alors, est-ce que ça va être assez pour mettre KO Riolu? Et la réponse est oui, c'est assez. Et que va nous réserver le Lubrifier? Pétisol et merde. Ah non, et Boulemance, encore pire. Et Geomago a évité l'attaque. C'est le seul qui pouvait. Je m'en fichais s'il prenait l'attaque, hein, Geomag, franchement. Parce que c'est le seul des deux qui n'avait pas la faiblesse, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et Maitika est plus rapide que Switch.
Et oui. Switch, tu es désormais dépassé dans toutes les stats. Mais c'est pas grave. J'utilise toujours j'utilise toujours Switch parce que Emolga c'est bien. Parce que Acrobatie. Et parce que Emolga a besoin qu'on l'aime plus. Parce que trop de gens détestent Emolga. Et ce n'est pas bien de détester Emolga. Et pourquoi je veux le soigner? Qui est niveau 37 encore? Ah bah Denki seulement. Ouais. On fait de la répartition répartitionnaire. Non. On fait de la répartition équitable ici. Hein. Tout le monde a le droit à être au même niveau. Donc... Il va avoir un combat duo là au-dessus? Non. Non, non, parce que je connais pas encore. Je connais pas cette map. Enfin, je connais la version du. Des Minotaupes sauvages. Bah écoutez, j'ai Denki devant, ce qui est bien, puisqu'il a surf. Donc je vais. Ah, ils ont enfin le cœur des Minotaupes sauvages. Oh, ils ont éboulement le Minotaupes sauvages. En fait, ils sont équipés pour les combats doubles. Ouais, vas-y, flinche-moi. Bonne idée. Vas-y, crit flinch le Mushana aussi. On va se faire défoncer par des Minotaupes sauvages. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Pied surf, c'est super efficace. Bon, ça touche aussi Mushana, mais on s'en fout. Est-ce que c'est Minotaupe qui a une plus grande défense spéciale que je pense? Ou est-ce que c'est juste Denki qui a une puissance, une attaque spéciale ridicule? Parce que... Pourquoi il est intelligent le Minotaupe? Tu pouvais pas faire autre chose du genre, je sais pas, attaquer le Mushana avec un palcorn ou des choses ainsi? Même si ça aurait pas marché, mais on s'en fout. Voilà. Mais c'est pas grave parce qu'on est soigné. Et j'ai trouvé un rappel. Bonsoir. Tes sons verts. Ah, ça peut être intéressant pour le maître des capacités qui est en fait. Qui est après la ligue donc qui sert à rien. Mais c'est pas grave. Cherche un jeu. Oh, un morque étoile. Oui, un morceau d'étoile en fait. Mais l'abréviation fait morque étoile. Et donc... Quand on est un joueur depuis la 3G, on a tendance à prononcer l'abréviation. Je veux dire, quand j'étais petit, moi, j'avais pas compris l'attaque prélèvement destin, qui est d'ailleurs toujours abrévié dans XY. Avant XY, elle était, comme il y avait que, je pense que c'était 12 caractères limite pour les noms des moves, ben, c'était, prélèvement était abrégé en PRVLT. Et, enfin, je veux dire, avant la 5G, plus ou moins la 5G, quand j'ai compris que c'était prélèvement le mot, cette attaque je l'appelais prélèvement destin. Hein. Voilà. C'est comme, je veux dire, la rune purifiante. J'ai toujours appelé ça une rune purif. Et ça m'est jamais venu à l'idée. Ah ouais, en fait, le mot c'est purifiante. Et ça aurait. Notons que ça aurait pu être purifié, je pense. Ah bon, c'est purifiante. Tu vas découvrir la force de la montagne. J'ai la puissance de Gaïa. Retourne dans ta campagne. Randonneuse et chercheuse de trésors pour vous servir. C'était Indiana Jones version. Indiana Janet. Un géolite et un Nosferalto. Alors. Je pense que Mushana pourra se. Vas-y, éboulement, forcément. Pourra s'occuper de Nosferalto. Mais j'aimerais bien, en fait, qu'elle... Enfin, oui, je suppose que c'est une femelle, ouais. Qu'elle vise Géolite, parce que comme ça, Ouais, voilà, elle vise Géolite. C'est bien, parce que, bon, avec fermeté... Et comme ça, ça fait un truc en moins, et il nous attaque pas, lui. Un Minoto. Voilà, bon, on refait surf, hein. Onde folie, pas sur moi, pas sur moi, pas sur moi, pas sur moi, c'est bien. Mushana, je m'en fiche. Non. Pourquoi les Minotaupes ont des si bonnes attaques par
au naturel, franchement. Voilà, psycho, ça c'est bien. Alors. Tout le monde est niveau 38 dans la team, c'est bien aussi. Je me casse. Je mets switch parce qu'un autre éventuel séisme se ferait absorber. Par contre, Mushana mourrait comme. Oh merde! Mishana, j'espère que t'as fait psycho et que tu vas aller. Ouais. Fais psycho et mets KO le Darumacho, s'il te plaît. Ok, d'accord. Donc, si le Darumacho arrive par quelques moins que ce soit à survivre à cette acrobatie. Non, ça va. Non, parce que sinon, Cognombillon, ça pouvait tout défoncer. Et je pense que Bianca n'a que son Mushana sur elle. Je suis pas sûr. Bon, on va voir ça en fait. On va voir ça. Au revoir, Switch. Au revoir, Mushana. Bah écoutez, j'envoie Denki parce qu'il va survivre à un coup. Puisqu'il a fermeté. Ah non, elle a Kung Fuin avec elle. Pourquoi pas Shao Fuin, purée. Utilise ta team qui est niveau 67 là. Je sais plus, c'est vraiment quoi son team. Je pense que ses niveaux 65 sont meilleurs ou quelque chose comme ça. Mais elle a un Lugula pour un Kung Fuin, c'est sûr. Ouais, Vampire Point, voilà une bonne idée. Tu sais, switcher ça existe à Bianca. Je sais pas si tu es au courant. Mais... Ça peut être utile par contre. Ta force est impossible à mesurer. La victoire est un trésor que je n'ai pas su dénicher. Et en plus, il rime ces deux-là, c'est bien. Oui, je sais, il y a un objet caché, mais je vais pas aller rechercher tous les objets cachés du monde non plus. Oui, ces deux top dressers-là, je me souviens qu'ils existent. Sais-tu comment on nomme les pierres tranchantes qu'on trouve ici et là? Ici, là, était-ce un autre? Entraînons-nous avec nos Pokémon pour pouvoir prendre d'assaut les arènes de Janusia et Papeloa. Eh, ce qui voudrait dire que vous avez 6 badges, puisque il ne vous reste plus que Janusia et Papeloa. Ou alors vous avez un autre nombre de badges, mais il vous reste ces deux arènes là à faire quand même. Ok, bon. Je vais faire surf parce que ça touche les deux. Et que de toute façon, Vibranymphe est type sol, donc. Il serait pas touché par une éventuelle boule deck. Je sais pas si Mushana a quelque chose de super efficace pour. Ouais, vas-y, vise Mushana avec Tellurie Force, c'est une très bonne idée. Psycho de boule, vise Mushana aussi. Ah non. Mais c'est pas grave parce que comme Denki était plus rapide, il peut pas me l'apeurer. Ah, baisse de défense spéciale pour le Groret, c'est bien, on va peut-être le mettre KO avec Surf alors. Et Denki, t'es plus rapide que tout le monde dans un combat, mon dieu, ça c'est. C'est assez exceptionnel. Ouais. Au revoir Groret. Au revoir Vibranymphe. Oh, bonjour de l'expérience. Oui, je préfère le texte de la 4ème génération. Ah non, non, je fais surf direct. Mushana utilise ballon, mais il n'y a pas de cible. Oh, oh, j'étais en train d'être sur elle. J'avais même pas remarqué. Châtiment. Le châtiment. C'est les paires diadèmes, elle va vous venir vous hanter pendant son sommeil. Enfin, voilà, pendant votre sommeil. Oh. Camerupt, ok. Niveau 39, Denki il s'en fout là, il gagne tous les niveaux. Mastouf, ah, elle envoie Mastouf cette fois-ci. Intimidation. Voilà. Par contre là, Denki tout de suite il est le plus lent de tout le monde. C'est dommage. Mais il gagne plein d'expérience, c'est pas grave. J'ignorais que tu possédais une telle puissance. Je suis encore loin, très loin d'être au point. Et oui. Bon ben on peut entraîner tout le monde sauf Denki en fait. Parce qu'il est un niveau au-dessus. Et je vais remettre ce foutu cherche objet. Parce que. Où est ce. Ouh. Ah bah voilà, il est là. Il doit être. Du calcium. Ah c'est bien. Quand on sortira de là, j'en donnerai à des gens.
Enfin, des Pokémon plutôt. Je ne sais pas si on peut dire des Pokémon sont des gens. Ou si gens doit être réservé aux humains. Difficile à dire. Mais on sort d'ici, hein, parce que j'ai pas envie de... Voilà, c'est la sortie. Ah, en continuant plus loin, on arrive à Vaglone. J'aimerais continuer un peu mes recherches, mais que faire? On se sépare ici? Oui. Tu as raison. J'ai encore pas mal de choses à étudier à propos des Atrans. Merci de m'avoir accompagné. Fais attention et bon voyage. Au revoir, Bianca. Non, pas besoin de remettre un repousse. Une pierre éclat. Ah ouais, carrément. Je savais pas qu'il y avait une pierre éclat cachée là. Ou alors je ne m'en souvenais plus. Nous allons commencer les travaux qui vont faire de Vaglone le must des destinations touristiques. Et une fois connecté avec le volcan, les foules ne pourront que s'extasier. Ouais, bien sûr. Bon, si vous allez aussi vite que le travaux pour Mons 2015, vous aurez fini d'ici la sortie de la 7ème génération. Ça devrait aller. Du jus de baie. Merveilleux. L'objet caché doit être là en bas. Et je peux mettre mon vélo. Wow, 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 doucement. Si je vais trop par là-bas, je vais avoir le combat contre le rival. Je compte le faire, mais pas tout de suite. D'abord, je ramasse des trucs. Une perle. Mais non, je joue à Noir 2. Voilà. C'est la blague, à mon avis, tout le monde a dû se faire. Oh, génial. Allô, j'aimerais parler à Sharon, s'il vous plaît. Je répète ça à chaque fois. Vous savez, dans mon entourage, beaucoup de gens disent que la qualité principale d'un Pokémon, c'est d'être classe. Si vous aussi vous les aimiez, ce serait incroyable. Je suis dresseur, espèce d'imbécile. Ça prouverait que c'est une mode. Ah là, je dois y aller, le devoir m'appelle. Pourquoi? Le devoir quoi? D'enregistrer des émissions TV sur ton nouveau single? Fais pas ce genre que je sais pas qui tu es. Oh, une écaille cœur, ça par contre c'est chouette. Enfin ça par contre, une pierre éclat c'est très bien aussi, mais il n'y a pas de Pokémon. Je n'utiliserai pas de Pokémon qui évolue par pied éclat, puisque la pierre éclat fait évoluer 3 Pokémon. Elle fait évoluer Togetic, Roselia et Chinchillou. 3 Pokémon qui ne sont manifestement pas de type électrique. Et une plaque Draco. Ouais, j'aurais sûrement aucune attaque de type dragon, mais ouais, pourquoi pas. Encore des objets cachés. Il y a plein d'objets sur cette plage, c'est bien. Encore une perle. Mais j'ai déjà assez de versions. J'ai déjà une version perle américaine, donc ça va. Alors ici, c'est la maison de Cynthia, mais il n'y a pas Cynthia dedans. C'est la villa de Lady Persilla de conseil. Bon, ok, c'est la maison de Persilla, mais il y a Cynthia dedans d'habitude. Et là, pour l'instant, il y a cette dame-là que je ne savais même pas qu'elle existait. Et ça, c'est l'aquatube, mais il n'est pas fini. Donc on ira quand il sera fini. Et ça, c'est... Je ne sais pas, en fait. C'est la maison des Colles et Montées, mais ils sont plus là. Je suis un gros Richard, et ouais, j'aime les objets rares. Tu vois, mes habits, tu les vois, ils sont riches et rares, comme moi. Je veux des objets rares, dignes d'un gros Richard, et de ma bourse replète. Mais tu n'as rien qui vaille, mes pépettes. Il paraît qu'il y a bien un dresseur super balèze à la Galerie Concorde. Je vais y aller leur montrer que je suis fort, moi aussi. Non, en fait, il n'y a rien à la Galerie Concorde. Pourquoi le père Colémonté est-il resté après le départ de sa famille? Je ne sais pas, parce qu'il veut se faire de l'argent et qu'il n'a rien à foutre de sa famille. Sûrement, oui. Je parie qu'il peut s'en acheter une autre quand il veut de famille. C'est triste, mais c'est vrai. Dans la baie Vaglone, parfois, on voit des moyades qui flottent. Ça fait la renommée du coin. En effet, il y a les lundis un moyade mâle dans Noir 2 et les jeudis un moyade femelle dans Blanc 2. Voilà. Et c'est, en fait, c'est le jour inverse de Vaututrice et Guerrière. Donc le lundi dans Noir 2, il y a le moyade femelle et il y a le moyade femelle. Et le jeudi dans Noir 2, il y a le... Non, attendez, je reprends. Le lundi, dans Noir 2, il y a le moyen mâle. Et le jeudi, il y a le Vaututrice avec sa capacité spéciale Dreamworld sur la route 4. Et dans Blanc 2, le lundi, il y a le guerrier avec sa capacité spéciale Dreamworld. Et le jeudi, le moyen de femelle à la baie Vaglone. Voilà. Et si je me trompe, eh ben je me trompe. Qu'est-ce que tu dirais si on te proposait une baie citrus, tout ce qu'il y a plus commune à 1000 Pokissou? Non. Tu as bien raison. Mais aucune importance en fait. C'était juste pour te dire, c'est ça le commerce. Le juste prix, c'est le prix que les gens veulent bien payer. Oh, chouette, une mission Fiesta que je n'ai pas utilisée. L'important, c'est que les gens soient convaincus.
En combien de mots? Je te laisse deviner. Les Pokéballs doivent être bien fabriqués quelque part. Kalos confirmed, guys. J'en achète beaucoup, alors je me dis qu'il y a quelqu'un que je dois remercier. Oui, le patron de la usine de Pokéball au-dessus, Roman Sous-Bois, mais à Kalos. Merci à ceux qui fabriquent les Pokéballs, qui que vous soyez. Mais c'est marrant ce type-là. Les ruines des abysses, la baie Vaglon, les messages sur les murs. Il doit y avoir une explication. Oui, l'explication c'est il n'y a rien ici à part des trucs qui valent de l'argent, mais ne cherchez même pas. Salut ma grande, t'as une résidence secondaire à Vaglon, t'es riche. Tiens, laisse-moi te faire ça en gage d'amitié. Ok, autant la belle écaille ça peut être sympa, autant le type est assez bizarre. La belle écaille est magnifique, n'est-ce pas? Et si tu la faisais tenir un Pokémon? Oui, par exemple un Barpo, comme ça il évoluera quand on échangera. Mais d'ailleurs, Barpo, donc ils ont instauré cette truc-là parce qu'il n'y a plus moyen de faire monter le bonheur de Barpo dans la 5e ou dans la 6e génération, mais... Un Barpo avec la beauté maximum, si vous lui mettez beauté maximum dans la 3e et 4e génération et que vous le transférez dans la 5e ou 6e, si la beauté maximum, il peut toujours évoluer grâce à une montée de niveau dans les versions plus récentes, hein. Mais c'est juste qu'il n'y a plus moyen de monter cette beauté. Sauf que, en fait, si, je suppose qu'il y aura un moyen de monter la beauté dans Ruby Omega et Saphir Alpha, puisque les concours feront sûrement leur grand retour. Je vais mettre Geomag en premier parce que je pense qu'il commence avec Defleuzan. Donc le rival, donc, let's go. Datem. Minute. Je veux voir comment on a levé nos Pokémon. Il a que 3 Pokémon, c'est n'importe quoi. Il a son starter, des Defleuzan et un singe. Mais je sais plus lequel il a en fait. Cage éclair dans ta face. Oh. Oh. Bon bah écoute, poulet lec dans ta face alors. Oh non, commence pas avec lame d'air pour essayer de me flinch axe, hein. C'est pas sympa des flinch axe. En avant les amis. Mais non, en avant l'histoire, imbécile. J'ai déjà fait cette blague, mais je la refais parce que j'y pense à chaque fois. Oh, Defleuzan, c'était juste pour le fun, mais non, il veut vraiment une provoque. J'imagine le Defleuzan en train de faire « Ouais, viens, viens ». Par contre, j'imagine mal comment un Magnetic Zone peut être outré comme ça et décider de ne pas utiliser KGPR. Mais encore une fois, c'est peut-être juste une assumption de ma part que Magnetic Zone ne possède pas d'émotion, mais c'est peut-être pas vrai. Peut-être que c'est une forme de vie artificielle, mais qui possède tout à fait des émotions, capable de penser comme nous, j'ai envie de dire. Et oui, Lumino-Canon ! Enfin ! Enfin, Lumino-Canon, 80% de puissance, 100 de précision. C'est la variation de Psycho, mais c'est de type acier. Alors, Flamoutant, j'ai envie de mettre Denki, mais il est un niveau trop haut. Bon, on va mettre Switch, on va voir ce que Acrobatie va mettre. Mais c'est bien ce que je pensais, il a le singe qui est fait face à votre starter. Allez, Acrobatie, on va voir ce que ça fait. Ça fait... ça va, hein, c'est... Il a encore gros yeux, le truc. C'est genre, après, il va me faire juste... Incinération. Calcination. Pourquoi je dis incinération? Parce que son anglais, c'est incinerate et que j'ai le nom anglais en tête. Et c'est une mauvaise chose. Rebondifeu. Je sais plus si c'est physique ou spécial, Rebondifeu. Il me semble que c'est spécial. Genre, je pense que j'avais jamais vu utiliser des objets sur son Flamoutant. Peut-être parce que souvent je défonce un coup avec un surf en fait. Ça doit être la raison. Bon, tu vas être KO non, tu vas mettre KO de Switch alors que tu aurais pu être juste KO comme ça, être sympa. Mais non, il a fallu forcément que tu fasses ton malin, genre hyper poison. Que j'aurais pu utiliser aussi d'ailleurs. Poulet leg dans ta face. Je prends même pas la peine de faire rayon gel. Down. Si. Un Majaspic.
Oh, quel dommage, j'ai justement un type insecte avec moi. C'est con, hein, André. C'est con, hein. Pourquoi je l'appelle Dre? C'était mon nom dans, son nom dans Voltoy 2, c'est The Wave qui s'appelle. Bon, ok, c'est peut-être un meilleur nom. Souplesse, oui, non, en fait, c'est nul, souplesse. Je veux dire, merci, 70% de précision. Enfin, 75. Je compte sur toi. Et tu parles à qui? À moi ou au Majaspic? Parce que Majaspic, là, je veux dire, il n'y a plus vraiment de suspense, hein. C'est le mieux qu'il puisse faire, c'est souplesse. J'ai trop honte, j'ai pas pu diriger correctement mon équipe. Mais en même temps, il y a 3 Pokémon. Qui fait une équipe avec que 3 Pokémon, s'il te plaît? Avec ce niveau, les autres escrocs vont encore bien se tenir. C'est pas comme s'ils allaient nous échapper. Le chat crépant, ils me le rendront et je leur ferai payer. Bon, Sharon, c'est pas tout ça, hein. T'as promis de m'aider. N'oublie pas le Pokédex non plus. On t'a fait promettre officiellement de le remplir. Non, j'ai signé aucun contrat. Il faut pas exagérer, mon vieux. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut explorer la route qui est en bas de Vaglon. Et je ne me souviens plus, en fait, comment, si c'est la route 13 ou la route 14. Mais je pense qu'en dessous de Vaglon, c'est la route 13 et qu'au-dessus, c'est la route 14. Non, je sais plus. Zut, ma géographie du Nice laisse à désirer. On va voir ça tout de suite. En plus, j'y suis allé tantôt, je pense. Mais... Route 14 en dessous. Et donc il y a des dresseurs. Mais c'est bien intéressant tout ça. Bon, par contre, il y a du brouillard, donc c'est assez difficile de naviguer. Heureusement que c'est pas comme Diamant et Perle où le brouillard il influait vraiment sur les combats, etc. Ici, c'est juste joli en fait le brouillard. Et on a par là on a la route 13 alors. Non, forcément. La route la plus longue du Nice est la route 13. Ah oui. J'adore faire utiliser les capacités secrètes à mes Pokémon pour ouvrir le chemin. Ouais, si tu veux. Ah! Et donc voilà la route 13. Vous voyez, voilà. Ça, c'est la route 13. Donc je sais pas trop si je vais faire la route 14 ou pas. Je pense que je vais faire la route 14 parce que d'expérience, c'est jamais perdu. Mais je vais pas le faire dans cet épisode-ci parce que j'aimerais bien la faire en entier en une fois dans un épisode. J'ai pas trop envie de commencer à. Commencer à une route et de pouvoir la finir dans l'épisode. Donc on va faire un petit peu d'exploration au moment d'envers. Ça on va aller voir un peu si on a manqué des trucs ou des choses ainsi. Et je dois mettre un repousse après. Super repousse, j'en ai encore 12, ça devrait aller. Non, je voulais pas faire ça. Non, ça c'est une pépite. Oh, j'en ai deux de pépites, faut que je les vende d'ailleurs. Ah, mais Bianca est toujours là. Salut. Mais je ne vais pas te parler. Alors, donc oui, lui donne fauchage si on a vu tous les Pokémon de truc. Tu m'as l'air d'être du genre à remplir les habitants, alors dis-moi quels Pokémon vivent au Mont Renevers. Hein, tes recherches sont encore en cours. Pense qu'il y a aussi des Pokémon qui vivent sur les flancs de ce mont. Oui, je sais, et je m'en fous. Ah. Un élixir. C'est bien, les élixirs, ça peut être très utile. Et tout particulièrement à la Ligue. Quand vous utilisez beaucoup de PP et que vous pouvez pas avoir, vous n'avez pas accès à un centre Pokémon, ben, les élixirs faut compter. Souvent, j'essaie d'utiliser le moins d'objets qui rendent des PP possible dans le jeu normal et je les utilise souvent à la ligue. Mais souvent, parfois j'en ai trop et donc en fait j'en utilise même pas la moitié. Mais bon, je ressens l'énergie qui émane de la terre. Eh ouais. Un mi-radar. C'est un radar, mais en fait, il en manque la moitié, donc ce n'est qu'un mi-radar. Comment te dire rayon chargé? Ouais. Bon, heureusement, ce rayon de signal devrait... le mettre KO avec plus 1 en attaque spéciale, ça devrait aller. Niveau 39 pour Maitika, c'est bien. Un gros ray, je reste surtout parce que j'ai plus 1 en attaque spéciale et que gros ray est plus long que Maitika. C'était quasi assuré vu que même Denki était plus grand que le gros ray de tantôt. Évidemment, gros ray, pourquoi t'es chiant? T'es censé être un Pokémon nul, alors sois nul et tais-toi.
veux dire, j'étais à plus 1 en attaque spé et... Tu m'as pourri mon groove, voilà. C'est nul, je suis déçu. Je suis pas un empereur mégalo, mais quand même. Bon, Switch monte au niveau 39, donc c'est bien aussi. J'ai ressenti l'énergie qui émanait de ton équipe. C'est bien. Accepte ceci, l'énergie de la Terre. Une béquille. Mais oui, pourquoi pas. Géothermie et minéraux, les volcans concentrent l'énergie de la Terre. Ce type, il a dit énergie dans chacune de ses phrases, en fait. Ah genre, l'or toxique, il est là, dans ce jeu. Ah mais c'est bien, parce que quand vous êtes dans XY, ben, vous devez vous taper la maison de combat pour avoir votre or toxique, vous voyez. À peu près tous les objets chouettes du jeu, ils sont dans XY, ils sont à la maison de combat. Enfin, vous allez me dire, les objets choix dans Noir de Blanc, dans la 5e génération aussi, hein, vous n'y avez pas accès. Alors que dans la 4e génération, on a accès aux lunettes choix et aux mouchoirs choix. Enfin non, aux lunettes choix seulement. Enfin, aux mouchoirs. Aux lunettes choix, on y a accès. On a accès dans Diamant Perle Platine, on a accès juste aux lunettes choix. Et enfin, si, aux bandeaux choix et aux mouchoirs choix aussi, mais seulement à la tour Pokémon, à la tour de combat. Et dans Dragon suivant, on a accès aux lunettes choix et aux mouchoirs choix. Parce que la mère du joueur peut aussi acheter parfois un mouchoir choix. Et ça, c'est chouette. Enfin, je veux dire, avec un ectoplasma, avec une CT tonnerre, un ectoplasma, avec Psycho Ballon tonnerre, vous pouvez vous faire à peu près tout le jeu. Avec des lunettes choix, vous pouvez vous faire à peu près tout le jeu, hein, dans ce dossier-là. Mais enfin, bref. Mais est-ce que tout le monde serait niveau 39? Non, Dipada, tu es niveau 38. C'est une honte. Je vais aller mettre KO un Pokémon sauvage juste pour qu'elle soit niveau 39, pour qu'on finisse l'épisode sur tout le monde est au même niveau. Parce que ce n'est pas bien quand tout le monde n'est pas au même niveau. Donc nous allons faire des rencontres dans la baie Vaglone. Oui, parce qu'il y a des dresseurs dans la baie Vaglone aussi qu'on pourra mettre KO au prochain épisode. Je veux une rencontre. Ah ben voilà. Et c'est un Starry. Je ne sais pas s'il y a des Staros sauvages sur les plans, sur les bulles d'eau comme ça, mais je pense que oui. Moulelec. Non, bulle d'eau. C'est pas parce que je viens de dire bulle d'eau que tu devais faire bulle d'eau. Tiens, cadeau. Et donne-moi au moins 1000 points d'exp. Non, c'était pas 1000 points d'exp. Et si tu me redonnes exactement 501 points d'exp, eh ben ça va pas aller non plus. Ouais. Allez, un Staros sauvage. Non, c'était encore un Starry. Et il a un niveau encore plus bas, donc il va me donner moins d'expérience. Donc je vais devoir encore faire un combat. Mais je m'en fiche. Oh non, on commence pas, hein. C'est pour ça qu'il fallait garder onde de choc. Bon, à la limite, c'est un Starry, c'est pas très grave si je peux fuir, mais... Et d'ailleurs dans les tournois officiels, donc les Video Games Championship de Pokémon, les attaques comme Miniput et Reflet sont autorisées, il me semble. Ce que je trouve un peu bête. Mais bon, en même temps, Game... Oh, un Viscuse. J'ai pas l'habitude de voir des Viscuses mâles qui sont pas shiny, désolé, hein, mais... Non, le seul Viscuse mâle sauvage que j'ai rencontré, je pense que c'est un shiny, c'est pour ça que j'ai ça. Voilà, Viscuse au moins il est sympa. Il me fait monter de niveau. Et voilà, niveau 39, comme ça tout le monde y est, et c'est bien. Non, parce que, je veux dire, si, je pense que... Enfin, si Nintendo... Enfin, si Game Freak bannissait Reflet et Lilliput, ça ferait une sorte de confidence de leur part. Ah ouais, on a fait des attaques qui sont de la merde quand même, et ils veulent pas avouer ça. Je pense que ça... Et je comprends toujours pas pourquoi c'est des combats doubles, enfin des combats duo, le tournoi officiel. Parce que je veux dire, dans tous les jeux, à part Colosseum et XD, qui j'y ai jamais joué, mais j'en ai pas entendu beaucoup de bien, le combat solo, c'est le mode de combat principal. Qui est un truc pour les combats duo, c'est bien, c'est chouette les combats duo, il y a plein de gens qui aiment les combats duo. Malheureusement, j'en fais pas partie. Et de toute façon, je participe pas au truc officiel juste parce que c'est les combats duo, mais... Ça m'énerve parce que ma attaque préférée dans Pokémon, c'est Surf. Et dans les combats duo, ben, ça touche votre adversaire. Donc à moins d'avoir un Parasect avec peau sèche qui absorbe le Surf, qui se soigne, ben voilà. Enfin bref, je vais arrêter de parler n'importe quoi parce que ça devient n'importe quoi. Donc,
En tous les cas, merci d'avoir regardé cet épisode, puisque c'est la fin de cet épisode. Que vous l'ayez apprécié ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 2.13 de 18.